les amis, salut Bob. Ça va, la pêche? Ça va et toi? Bah ouais, écoute, hein. Alors, c'est quoi, on se retrouve aujourd'hui. C'est quoi le programme aujourd'hui? Bah écoute, c'est une vidéo sur la présentation de ma quatrième part. Encore? Mais t'as combien de parts? En tout, j'en ai 5 et j'en ai encore 2 en préparation. Putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Voilà. Donc je pense que je m'arrêterai à 7 d'ailleurs. Ouais, parce que les 7 boules de Dragon Ball. Bah, j'y ai pensé en fait, je pense que c'est vraiment par rapport à ça que je vais m'arrêter en fait. Mmh. Voilà. Okay. Et bah écoute, Juju, vas-y, je t'en prie. Hein. Allons-y donc. Alors, laisse-moi deviner que là, il y a du bleu, du vert, du orange et du jaune, c'est selon les époques. Exactement. C'est bien, t'as bien retenu la leçon la dernière fois. Visuel rigolo. Ouais. Visuel bizarre. D'accord. T'as vu les yeux de Goku, ils font la moitié de son visage. Hop, visuel classique. Visuel que je ne connais pas, qui n'est pas d'époque. Non, calendrier, celui-là. Ça, c'est notre cher Nostal. Nostal. Yes. Oula, elle a eu un problème, celle-là. C'est vrai? Mais regarde, là. Ah ouais, effectivement. Effectivement. La colle a commencé à... ronger. Ah, mais je sais pourquoi. C'est quoi? Parce que j'avais changé de colle. Et en fait, non, j'avais changé de stylo blanc. De stylo. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était un stylo indélébile. D'accord, ok. Donc, du coup, j'étais un petit peu emmerdé. Donc, ce visu, il vient d'où? Calendrier. Okay. T'aimes bien? Ouais, sympa. Ça aussi, calendrier. Ouais. Calendrier. Oui. Calendrier. Non. Calendrier. Non. Calendrier. Non. Il est chelou, ça, parce qu'on dirait que Gohan, il fait vieux, quoi. Tu trouves? Il fait grand, en fait. Il est grand. Non, mais par rapport à... Enfin, bref. Je connais pas ce visu. Ça, je connais, c'est une Rami, ça. Non, je suis pas une Rami. Calendrier. Ouais. Pareil. Ah, elle te plaît, celle-là. Ouais, je sais pas. Ouais, bien. Nostal. Non. Ah si, c'est une Nostal, je reconnais son style. C'est pas du Nostal, c'est une Nostal, ça. Ça, c'est un Cheeta. Le Cheeta de Nostal. Ah, d'accord, ok. Sympa, celle-là. Bah, couleur, il a une tête un peu bizarre. Hein. Mais ça, c'est pas... Ça, c'est métal couleur. Oui, bon... Non. Non, je suis des conneries, c'est cool à normal, parce que ouais, Gohan est trop petit pour... Mais regarde ses yeux, ils sont un peu chelous, ouais. Je sais pas... Ça vient d'une affiche, ça. Ah, putain, mais t'as vu la longueur de la mèche de Goku? Bah ouais. Mais ça vient d'où ce visu, sérieux? Bah, si, c'est pas un Menko, ça? Non, non. Alors ça, c'est une affiche. Ouais. Jumbo aussi, il existe. Oui, ouais, oui. Je me rappelle les couleurs comme ça. Hop, c'est quoi, ça? C'est Gandry, ça? Non. C'est quoi? Nostal? Non, bouquin. Bouquin? T'aimes bien? Qu'est-ce qui te déplaît dedans? Bah déjà, les yeux des personnages, ils sont ouverts, enfin ils sont bizarres. Sur le... Ils sont pas menaçants en fait. Non, regarde, la pupille, elle est pas pleine, il y a un petit rond blanc en haut. Ah oui, d'accord, ok. Je sais pas, bon, bref. Hein. Hop. Tu es Goku. Donc si je comprends bien le visu... Tous ces personnages-là, ils veulent tuer ce mec-là. Exactement. Donc Goku, il veut se tuer lui-même. Exactement, voilà, il veut se suicider. Ça vient d'où, ça? Bouquin. Ça, classique, Cheeta. Oui. Oh merde, là, j'en ai raté une. Bouquin. Alors, ça. Cheeta, ça. Oui. Sympa, hein? Ah, ça, je les ai vus, je faisais récemment ça. Je sais pas où, mais je les ai vus. Viens d'où les visus? Bah, bouquin. Bouquin, mais avec le décor derrière. Ouais. Sympa, hein? Alors, ça, c'est quoi ça? Ça vient d'un bouquin aussi. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir. Ça te parle? J'ai une collection par deux. Non, mais j'ai l'impression d'avoir un souvenir d'enfance lié à ça en fait. Avec ce machin. Cette espèce de ruban derrière là. Non, mais même le personnage devant, j'ai l'impression que j'avais une fausse carte qui reprenait ce visu. Je sais pas, c'est très étrange. Bon, classique. Ouais. Ça, c'est quoi ça? Bouquin. Bouquin. Pareil. Bouquin. Bouquin. Oui. Bouquin. Oh oui. Il y a toujours eu la chauve-souris sur le. Je crois, ouais. Enfin, j'ai jamais remarqué. De la terre, les guerriers ultimes, affiche,
Affiche. C'est très étrange de voir aussi là le l'iris de Goku qui est blanc. Qui est blanc comme ça. D'accord. Ça vient d'où ça? Bouquin. Bien voilà. Joué. Et ça? Pareil. Ok. Ouais, voilà, donc c'est du 2015 fan card. Ça te plaît? Bah écoute, ouais, c'est toujours le, cool. Le dernier puzzle, je le trouve vraiment beau, moi, le jaune là. Laisse-moi me rappeler lequel c'est. Mais c'est pas un puzzle. Ah, le c'est dernier puzzle. Celui que tu trouves avec les yeux de Goku là. Ah ouais. Ça, je le trouve vraiment super joli. Yes. Du coup, est-ce que la prochaine étape, ce serait de faire un classeur spécial? Enfin, genre, pas la fabrication d'un classeur, mais genre, essayer de trouver un système de classeur pour tes fan cards qui permettrait d'assembler les puzzles. Je comprends pas. Ben, j'en sais rien, essayer de faire un classeur custom, mais aussi dans l'organisation mon des feuilles. Classeur custom, c'est mon CS en mais, fait. Mais aussi dans l'organisation des feuilles. Genre... Ah, parce que pour éviter que ça. Que ouais. Enfin, pour voir que le puzzle il est bien quoi. Ouais. Il est en. Tu sais, genre un concept un peu à la album Panini, tu vois. Où en fait, il n'y a pas des. Genre, tu sais, il y a une sorte de fond. Mmh. Et dessus, il y a genre, tu colles une sleeve là. Et quand t'as un puzzle, tu les assembles. Oh, je sais pas. Non, c'est ton nouveau projet, ça. D'accord, ok. Bah écoute, je vais réfléchir alors. Ok, bah c'est la fin de la part 4. Eh oui. Ok. Ciao, Juju. Salut. Salut, à plus.